Oui, à 16h, qui peut jouer. L'entraînement a peut-être porté ses fruits. Double rouge, ok. Rouge, la couleur du sang des ennemis. Ah ouais, clairement, les deux ils veulent du sang. Il y en a un plus lentement que l'autre, mais... Oh bah, si c'est le Link que t'as proposé sinon, hein, parce que franchement je l'ai dit, hein, j'ai jamais vu un Link aussi corps à corps que le tien, ah, j'ai pas compris. C'était trop drôle les games, CSD, une fois ou deux par game, c'était très drôle. C'est la politesse française, regarde, Link, il voulait faire la même là, Il était presque en train de se SD, c'est là. Oh, très bien vu, wow. Un smash qui met vraiment beaucoup de pourcents, et c'est pas si simple que ça d'approcher un Link, même si t'es Falcon, tu vas vite, certes. Mais Link a quand même pas mal d'outils pour l'empêcher, le boomerang, le nerf, pas mal d'anti-approches, et voilà, le nerf qui marche très bien dans ce match-up. Et on le voit dès maintenant. Il est très bien sur ses couvertures justement en termes de projecting, 91 là pour l'instant, il propose de belles choses. Par contre, on va quand même manger le stomp hein, dans le air, avec ce side de pop, oui. Oh bah oui. Mais pourquoi il a rien eu? Mais je sais pas. Mais il a quand même mangé, et en plus, bah il va se manger une gentleman. Avec derrière, on va essayer d'aller chercher peut-être off-tage. Oh, ouais, le... Attends, la bombe. Non, non, trop tard. Trop tard. Ok. J'ai rien compris sur cette dernière phase. J'ai pas compris pourquoi il s'est... Parce qu'en fait, le side B, il est censé avoir une super mort. Mais avant qu'il s'active... Voilà, là, on l'a vu, on vient de le voir. C'est pendant l'animation où il se déplace. Enfin, c'était peut-être la dernière frame de la super mort dans tous les cas. OG qui a... Frame trap. Ah bah oui, ça couvre tout hein, franchement. C'est la meilleure option select possible là-dessus. Vraiment, alors là c'était soit tu prends le nerf, tu meurs presque, soit tu l'esquives et tu meurs totalement. Oh wow. Ok. Oh il a tenté un truc là. Ouais. J'ai bien aimé l'idée mais malheureusement ça aura pas servi. C'est dommage parce que là on n'arrive pas à tuer un OG à 71%. Faudrait l'achever la bête là sur ses stops avec peut-être la bombe. On va aller chercher à la chope avec le. Non, non. Ouais, en dessous de 180, Captain Falcon sur. Ah, par contre, finalement. Enfin, la stock est prise. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mal à l'avoir. Est-ce que ça va faire la même chose avec le frame trap? Non. Un downer qui va être tenté, ce n'est pas marché. Le B qui va attraper deux, on ne sait pas où. Il s'est retourné pendant le B, c'était incroyable. Et voilà la réponse au nerf, on le voit. Side B. Trop de nerfs, égale à side B. Mais trop chaud. Ça fait 3 games que ça dure 2 minutes 30. Ça fait 3 games de suite. Il a signé chez BMS pour que les games durent 2 minutes 30, je crois. C'est ça. C'est son contrat. Interdit de faire plus de 2 minutes 30. Interdit. Bah c'est pour que ce soit mis en reels sur Insta. Hein. Ah, c'est le format parfait. C'est pas sur Insta, sur TikTok, partout. Bien c'est sûr. Parfait. Les petits clips de Monsieur OG BMS. Bah, ils ont discuté sur le launch play e-sport du coup à un moment, donc sur l'e-sport, est-ce qu'ils ont besoin justement d'influenceurs et autres? Ouais. Clairement BMS pour moi c'est une aubaine qu'on peut avoir sur Smash, parce que grâce à eux ça donne vraiment une hype supplémentaire sur le jeu. T'es sérieux OG? T'es sérieux? Laisse-moi parler un peu. Je suis en train de grasser ta team. Enfin. Il laisse même pas le temps. Encore une fois, tout à l'heure en plus Tony qui a failli faire un frame trap, c'était très intéressant. Et c'est Side B qui est incroyablement bien trouvé le backer. Mais il est trop violent. Arrête. C'est trop violent là-dessus. Encore une fois, le nerf qui est trouvé, mais c'est la mort peut-être. Ok, dommage. Vraiment dommage parce qu'il avait réussi à forcer. Non, pas encore. Le saut et l'air dodge, ça aurait pu être archi dangereux. Même là il peut le tuer encore. Il fait ce qu'il veut. Non, c'est bon, il va... Non, c'est toujours pas bon, non, si, voilà. On reprend quand même le lit du terrain du côté de Link 91, on va pouvoir justement essayer de mettre OG, mais OG, il sort tellement facilement d'une mauvaise situation, son désavantage dure 2 secondes, et après, il lui rend la max. Un permis, et déjà stock de match, Guto. Déjà stock, est-ce que la game va durer 2 minutes 30, j'ai l'impression qu'elle va vraiment durer 2 minutes 30, attention là-dessus, ça peut être dangereux, non, il le sait. Il a très bien reconnu la situation, il pouvait plus continuer l'air dodge directionnel pour revenir. Malheureusement, il s'est quand même fait reverse après. Le nerf, mais oui, nerf égale side B, on l'a dit, et il continue encore et encore, Link 91. Faut vraiment qu'il change ça, bon, pourquoi? Pourquoi ça va pas marcher cette fois? Bah, je sais pas. Mais il a la réponse, et elle marche très bien, faut absolument qu'il arrête de faire autant de nerf, et le spot dodge, faut jamais... Et là, la game, c'est... 2 minutes, combien? Non, 1 minute 30. Ah oui, c'est vrai. C'est 7 minutes.